Célébrée le 8 mars de chaque année, la Journée internationale mobilise les femmes du monde entier autour de plusieurs activités. Comment les femmes de Pointe-Noire perçoivent-elles cette journée? Personnellement, le 8 mars, c'est la journée du droit de la femme. La journée où la femme a lutté pour son droit, en fait. La femme a voulu, comment dirais-je, avoir le même droit que l'homme, se développer. En fait, c'est une journée où la femme a voulu défendre ses droits. Une femme a le droit de travailler, elle peut se défendre, son autonomie au fait. La Journée internationale de la femme, comme on le dit, c'est une journée consacrée à la femme, où l'on célèbre les droits de la femme et tout ce qui concerne la femme. Les femmes qui font ça, ce sont les femmes qui ne connaissent pas leurs droits. Pour elles, la journée de 8 mars, c'est une fête comme ça où tu vas dans des boîtes de nuit pour se saouler la gueule et la gueule. Le 8 mars, c'est une fête où la femme doit connaître ses droits. De nos jours, en fait, les femmes se disent que c'est l'homme qui doit tout faire. L'homme doit sortir le matin, elle reste à la maison, elle prend soin des enfants. Et c'est pas ça. Le monde évolue, la science évolue, et puis la femme doit connaître ses droits. Au-delà de l'aspect festif, le 8 mars est l'occasion pour la femme de revendiquer ou de dénoncer les maux dont elles sont victimes. Dans les foyers, les hommes qui battent leurs femmes, elles peuvent dénoncer cela. La Journée internationale de la femme n'est pas consacrée à, disons, à aller dans les boîtes ou fêter. Ou bien, normalement, les femmes devraient se rassembler, discuter sur un point qui les concerne, débattre sur ça et trouver des solutions. La femme a le droit. Tu vois, si tu trouves que ton homme est trop agressif, tu peux aller te plaindre. Vous voyez. Mais ce jour-là, c'est un jour où a été, marqué sur le fait de la valorisation de la femme dans le sens de l'égalisation avec l'homme, vous voyez. Genre, la femme peut avoir des places dans la société qu'avant, il ne pouvait pas avoir. Il peut être dans la politique, il peut même devenir présidente. Nous avons vu des présidents, vous voyez. Cette année, la Journée internationale de la femme est célébrée sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable », en reconnaissance de leur rôle dans la réponse au changement climatique.